Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre atelier pour vos astuces faciles à faire à la maison. C'est Camille, alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous fabriquez des friandises pour vos chiens faites maison. Elles sont bonnes pour la santé, ça va être des friandises qu'on va congeler. Vous savez, si vous avez un chien à la maison, peut-être que vous connaissez le Kong. Le Kong, c'est ce petit objet en caoutchouc. À l'intérieur, vous pouvez mettre de la pâté avec des croquettes pour occuper votre animal. Ce sera sous le même principe, mais disons qu'on va se faire une petite friandise. Alors pour cette astuce, vous allez avoir besoin de beurre de cacahuète. Attention, le beurre de cacahuète doit être 100% pur. Si c'est un beurre de cacahuète crunchy, vous voyez, pour mettre sur les tartines, ça ne joue pas du tout. Donc un beurre de cacahuète 100% cacahuète. Il vous faudra également un yaourt nature ou du skyr. Vous aurez besoin d'une petite pomme et de bacs à glaçons, vu qu'on va congeler les friandises. Alors je vous montre, c'est super facile. Pour cette astuce, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de peanut butter. Donc là, on prend notre beau beurre de cacahuète et on verse ça dans un petit bol. Voilà, parfait. Je vais même en rajouter un petit peu plus. Hop là, pour que ce soit généreux. Alors, le beurre de cacahuète, c'est comme tout. Il faut que ce soit de temps en temps pour vos animaux. On ne leur donne pas la friandise tous les jours. Comme les Kongs, vous ne leur donnez pas un Kong à vos chiens tous les jours. Pour la friandise congelée, ce sera pareil. Vous pourrez en faire 2, 4, 6, 8, 10, c'est vous qui voyez. Vous les laissez dans le congélateur. Et une fois de temps en temps, quand votre chien, vous avez envie de le récompenser, vous pourrez sortir votre petite friandise. Donc là, on prend sa cuillère à soupe, hop, de skyr. Voilà. Donc encore une fois, un skyr ou yogourt nature, ça marche très bien. Voilà. Et là, on mélange. Donc une fois qu'on a bien mélangé son beurre de cacahuète et son skyr, on va prendre une pomme parce qu'on va apporter ce côté fruit dans les friandises. Donc là, ma pomme est coupée. Hop, vous coupez des petits bouts, parce qu'on va les incorporer à l'intérieur de votre friandise. Donc là, inutile d'enlever la peau. Si ça vous fait plaisir d'enlever la peau, vous enlevez la peau. Mais sinon, ça joue comme ça. Donc voilà, vous allez faire des petits morceaux de pommes qu'on va donc incorporer à vos friandises glacées. Voilà. C'est vos amis les chiens qui vont être très contents à la maison. Donc là, on est bon. On prend son petit bac à glaçons, comme ceci. Et là, on y va. Moi, je vais me servir de mes doigts, hop, pour que ça glisse tout seul dans le bac. On se lave les mains, hein, voilà. Et là, vous remplissez donc vos bacs à glaçons de mélange. Voilà. Hop, donc là, moi, j'en ai fait pour 4 compartiments, comme vous pouvez le voir. Vous n'hésitez pas, si vous avez envie d'en faire 6, d'en faire 8, d'en faire 10, vous avez juste à doubler les doses. Hein, donc, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 2 cuillères à soupe de yogourt nature, et ainsi de suite. Donc là, on prend ces petits bouts de pommes et on les incorpore au milieu. Voilà, comme ceci. Il y aura le petit côté un peu crunchy, croustillant de la pomme pour les animaux, ils vont adorer. Voilà. Alors là, vous l'avez vu, on a donc nos petites friandises. Maintenant, vous allez les mettre dans votre congélateur. Bon, vous attendez à mon avis 3-4 heures en fonction de votre congélateur. Et puis je vous montre, une fois que c'est prêt, à quoi ça ressemble. Moi, je vais les mettre dans la cuisine de l'atelier pour que ça congèle. À tout de suite. Et voilà, on vient d'aller chercher nos friandises congelées. Je vous montre, ça se démoule hyper facilement. Bon, on va faire comme ça. Voilà, vous voyez, vous avez vos petites friandises pour vos chiens. Ils vont être trop contents. Puis vous leur donnez ça pour les gâter. Et puis, bah, vous m'en direz des nouvelles parce que je pense qu'ils vont y passer un bon petit moment avant de tout manger. Alors, essayez cette astuce qui est juste trop cool avec du peanut butter, du yogourt nature. Vous mettez tout au congélateur, de la pomme. D'ailleurs, vous pouvez remplacer par un autre fruit si ça vous fait plaisir. Essayez. Et puis, nous, on se retrouve tout bientôt dans votre atelier pour vos astuces. Salut !